Je m'appelle Daniel Degès, je suis professeur à plastique et il y a très longtemps que je viens dans ces lieux parce que je suis attiré par leur histoire. Ces lieux ont beaucoup changé. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des pins. Autrefois, il y avait beaucoup d'herbes, c'était des pâturages. On ne sait pas pourquoi les pins ont poussé, on se croirait dans une forêt des Landes. Mais je vais vous faire découvrir ce lieu, suivez-moi, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à voir. Je vous ai amené ici parce que ce point a une importance extraordinaire dans l'histoire de Rennes-les-Bains et aussi dans l'histoire de Rennes-le-Château. Il y a plus de 100 ans, un prêtre, le curé de Rennes-le-Château, de Rennes-les-Bains, que nous dominons, ce prêtre a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « La vraie langue celtique » ou « Le cromlech de Rennes-les-Bains ». Dans une première partie, il fait toute une explication sur la langue des peuples qui peuplaient ces régions du temps des Gaulois. Et dans une deuxième partie, il nous décrit un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre tel que le faisaient les Celtes. Or, ce cercle de pierre, bien sûr, n'existe pas réellement. Mais en réalité, si on suit l'explication de l'abbé Boudet, on se rend compte qu'elle est très précise et que toutes les pierres qu'il décrit sont en place. Donc le cromlech de l'abbé Boudet s'étend devant nous, ici, dans cette zone. Toutes ces montagnes, il les nomme les unes après les autres, et il nous fait faire le tour de ce cromlech. Et il a une précision, il dit que ce cromlech fait 16 à 18 km de tour. Si on additionne ces deux chiffres, 16, 18, on obtient 1,618, qui est le nombre d'or. Donc il n'a certainement pas donné ces deux chiffres au hasard. D'ailleurs, on ne peut pas donner une mesure en disant 16 où. Il faut bien qu'il y ait une autre raison. Donc, je vous ai amené ici. Cet endroit s'appelle, d'après l'abbé Boudet, le Cap de l'Homme. Parce qu'il y aurait eu un menhir, et le haut de ce menhir serait sculpté et représenterait, d'après l'abbé Boudet, la tête de Jésus-Christ. En réalité, ce menhir se trouve toujours à Rennes-les-Bains, et cette tête est très effacée, et elle représente plutôt une divinité romaine qui devait être une divinité de la nature. Donc, dans son livre, La vraie langue celtique, l'abbé Boudet précise que c'est la tête de Jésus-Christ, le fils de l'homme par excellence, Filius Hominis. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de travaux sur Rennes-le-Château, et dans l'église de Rennes-le-Château, il y a un chemin de croix. J'ai découvert que ce chemin de croix, les 14 stations de ce chemin de croix, représentaient 14 points situés ici, dans le cromlech de Rennes-les-Bains. Et là, en étant au Cap de l'Homme, je vais vous expliquer pourquoi cette station est la sixième station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Dans cette sixième station, on voit Véronique, Sainte Véronique, en train de poser un voile sur le visage de Jésus, et la tête de Jésus reste imprimée sur ce voile. Bien sûr, c'est une légende un peu tardive, mais cette tête qui reste imprimée sur le voile, c'est le visage de Jésus, et comme le dit l'abbé Boudet en insistant, c'est le visage du Fils de l'Homme,
Donc, en occitan, la tête, le visage se dit le cap. Et donc, on est au cap de l'homme. Et le cap de l'homme, c'est ce lieu, ici. Et en même temps, c'est la sixième station du chemin de croix de Rennes-le-Château, puisqu'elle montre Sainte Véronique en train d'obtenir le cap de l'homme sur le visage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce lieu est très intéressant. On va voir d'autres stations qui sont en relation directe avec le chemin de croix de Rennes-le-Château. Derrière moi, vous voyez une montagne, le Cardou. Le Cardou, son nom vient de l'occitan cardon, qui signifie le chardon, tout simplement. C'est une montagne ici très chargée en histoire et en recherche. Certains pensent que se trouve sous cette montagne une grotte qui abriterait peut-être le corps de Marie-Madeleine et peut-être aussi celui de Jésus-Christ. Donc évidemment, c'est un haut lieu de l'histoire du mythe de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Sur les flancs de cette montagne, on aperçoit deux aiguilles, ou du moins une aiguille double. L'abbé Boudet, qui donne des noms particuliers à certains points du lieu, est le seul à les appeler les lampos. Les lampos veut dire en grec les agneaux. Et il précise dans son livre que les agneaux viennent se regrouper le soir auprès de leurs parents. On peut imaginer qu'il a voulu suggérer par là que les agneaux, les enfants que nous sommes, viennent se regrouper autour du corps de Jésus et de Marie-Madeleine qui pourraient être sous cette montagne. C'est un endroit qui a été fouillé de nombreuses fois. Il n'y a pas d'entrée spéciale, mais il est possible que quelque part, bien loin, au-dessous de la montagne, se trouve effectivement une telle grotte. Regarde, tu vois ce rocher blanc là ? Autrefois, il portait un château, le château de Blanchefort, qui était un petit château, une tour à signaux probablement. Et alors, on confond souvent ce rocher avec le sommet de la montagne elle-même, qui est la montagne de Blanchefort, qui n'a pas de nom particulier. Sur certaines cartes d'origine maçonnique que j'ai vues, il y a le mot caput, la tête ou le sommet en latin. Et la 12e station, qui est celle de la crucifixion, s'appelle, la montagne de la crucifixion s'appelle le Golgotha, qui veut aussi dire le crâne, la tête. Je pense que les gens qui ont conçu ce chemin de croix ont confondu donc cette montagne avec le Golgotha. Nous avons bien là affaire à la 12e station, et quand on est là-haut, il a tout à fait la forme d'un triangle, on est vraiment sur un petit tertre, et on peut imaginer facilement que la croix du Christ peut se trouver là. Donc il y a vraiment une analogie entre cette montagne et la 12e station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Ce lieu s'appelle en occitan le plat de las brugus, ça veut dire le plat des bruyères. Et effectivement, il y a encore beaucoup de bruyères qui restent. Dans son livre, l'abbé Boudet parle de ce lieu, le plat de las brugus, et surtout à la fin de son livre, il montre une carte de ce lieu. Et sur cette carte, dans ce lieu, il y a 6 croix tracées. En cherchant bien sur le terrain, depuis quelques années, j'ai réussi à trouver les 6 croix. C'est un lieu protégé, donc nous ne montrerons pas comment y accéder. Et il faut surtout que ces croix ne soient pas abîmées par des visiteurs plus ou moins consciencieux, on va dire. Donc, voici une de ces croix. Aucune de ces croix ne sont pareilles. Il y en a 6. Ici, nous avons affaire à une croix latine, c'est-à-dire que la branche verticale est plus longue que la branche horizontale. Celle-ci est importante, elle est assez large. Il y a, dans les autres croix, il y en a toutes petites. Certaines font 10 cm. Il y a des croix grecques, c'est-à-dire à branche égale. Et nous ne savons pas, nous n'avons pas encore compris quel est le mode d'emploi de ces croix. À quoi servent-elles ? Elles ne sont pas loin l'une de l'autre, 10 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 3 mètres même. Et donc, leur utilité, pour l'instant, reste quelque chose d'inconnu. Alors, au pied d'une de ces croix, qui se situe un peu plus loin derrière, j'ai trouvé un vieux burin
c'est-à-dire un objet en métal qui permettait de sculpter. Et la manière dont il était rouillé et sa forme me permettent de penser qu'il a une centaine d'années. Donc on peut imaginer que c'est un burin qui a appartenu à celui qui a sculpté ces croix, puisqu'à leur usure, là aussi, on peut les estimer une centaine d'années. Et pourquoi pas dire que si c'est l'abbé Boudet qui a sculpté ces croix, que c'est le burin de l'abbé Boudet. Je vais vous montrer une autre de ces croix. Voilà une autre de ces croix. Ici, c'est la plus petite de toutes. Et c'est une croix grecque, c'est-à-dire un X en quelque sorte, une croix de Saint-André. Là, c'est une fouille sauvage, comme hélas, il en existe trop. Des gens qui sont venus, qui ont pensé que sous ces pierres, il pouvait y avoir quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on voit bien qu'ils ont creusé, mais que ça ne mène à rien, bien sûr. C'est aussi pour ça que nous préférons ne pas trop pébruiter la position de ces lieux, parce que, hélas, trop de gens cherchent un hypothétique trésor. Et donc, dans la recherche du trésor, on abîme les traces, on abîme les signes pour ne pas laisser aux autres chercheurs de trésor l'occasion de pouvoir trouver, quoi. Et nous qui sommes des amoureux de ce lieu, nous aimerions bien qu'il reste protégé. Tu remarqueras la beauté de ce coin et les couleurs. Moi qui suis peintre, je suis sensible aux couleurs. Et les odeurs aussi, cette odeur de pain là qui est très pénétrante et très agréable. Derrière ces rochers, je vais te montrer quelque chose d'assez curieux. Ces trois rochers, qui sont quatre en fait, parce qu'il y en a un qui est couché, on les appelle aujourd'hui les pierres tremblantes. Et l'abbé Boudet, dans son livre, les appelle les rouleurs, c'est-à-dire les choses qui roulent. Ils ont une particularité, c'est qu'on a une photo de l'abbé Saunière au pied de ces rochers. Et en plus, dans son livre, l'abbé Boudet dit cette phrase énigmatique « Ils sont la preuve de la puissance de Dieu ». Donc on se demande pourquoi, en quoi sont-ils la preuve de la puissance de Dieu. Ce sont des pierres tremblantes, comme il en existe beaucoup dans la nature. Il y a quelques années encore, celui du milieu, on pouvait le faire bouger. Je ne sais pas maintenant si c'est le cas, mais il bougeait encore. Ils sont gravés de beaucoup d'inscriptions, de graffitis de touristes. Et en particulier, il y en a un qui s'appelle Mallet, qui est gravé dans les années 1896. Et ce monsieur Mallet, on le retrouve sur toutes les pierres gravées du coin, c'est-à-dire la source de la Fontaine des Amours, la source de la Madeleine, on retrouve son nom. Donc c'est quelqu'un qui passait par là à l'époque où vivaient Béringer Saunière et l'abbé Boudet. Je vais voir si ça bouge encore. Tout petit peu, il bouge un tout petit peu, pas beaucoup parce que le temps, le sable a dû le coincer. C'est ici qu'il y a écrit Mallet. Alors ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que ces trois pierres
était il y a quelques années au milieu de pâturages. Il n'y avait pas un arbre. Et aujourd'hui, on se trouve avec des arbres qui font 10 mètres de haut. La nature a changé complètement, surtout depuis le moment où on a abandonné l'élevage des chèvres, des moutons et tous les animaux qui broutaient. Ce qui fait que là, le paysage est très différent. On voit encore des vieilles cartes postales de l'époque avec les rouleurs au milieu de pâturages. Là, je viens de découvrir quelque chose d'étonnant que je n'avais jamais vu. Il y a 3 traits verticaux et un trait couché. Et ceci pourrait évoquer les 3 rouleurs debout et le rouleur couché. C'est assez curieux. Il faudrait étudier cette. Voilà les 3 traits, cette image. Et dessous, on voit, semble-t-il, des lettres qui sont placées dans un rectangle. En maçonnerie, ce rectangle, ça pourrait s'appeler un carré long qui est fait de 2 carrés juxtaposés. Donc ça, c'est une gravure intéressante à essayer d'étudier, de retrouver. Alors ici, je vais te montrer quelque chose que peu de gens connaissent. Nous sommes à l'intersection d'un sentier et d'un ruisseau. Et sur sa carte, l'abbé Boudet a marqué tout à fait ce sentier et ce ruisseau. Depuis, ce sentier est devenu un chemin forestier, donc ça a été élargi. Et alors à côté, juste à côté de ce sentier, il écrit les mots « Maison gauloise ». Et dans son livre, il décrit une maison gauloise. Il dit qu'elle est faite de 2 montants de pierre naturelles sur lesquels les Gaulois mettaient des poutres et par-dessus des tuiles. Et effectivement, il y a là ces 2 rochers que l'on voit côte à côte, verticaux, qui sont comme 2 murs, mais en fait qui sont des rochers naturels. On retrouve ce phénomène d'ailleurs plusieurs fois dans le coin. Mais celui-là, c'est bien la maison gauloise de l'abbé Boudet. Elle est toujours là, sous les branches, depuis plus de 100 ans, mais depuis au moins 100 ans pour l'abbé Boudet. Alors pourquoi a-t-il mis le mot maison gauloise là et a-t-il défini ces rochers comme une maison gauloise? Eh bien, certainement que ce rocher a une importance de stratégique, de situation. Parce que pour moi, il correspond, comme tout à l'heure le Cap de l'Homme, à la première station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Et sa situation est importante parce que, on va aller le voir, il y a un alignement naturel entre le château du Bézu, un tombeau qui se trouve sur le Pêche de la Roque, la maison gauloise, et un autre lieu, la naissance d'un tout petit ruisseau que l'abbé Boudet appelle le ruisseau des Hounts et qui n'existe nulle part. Et ces 4 lieux sont parfaitement alignés, donc ils indiquent, étant alignés, nord-sud, ils indiquent un méridien. Ah, le Bézu, sinon je le devine dans les arbres. Ah oui, on voit très bien. Mais là, on va monter là, on va le voir encore mieux. Ici. Alors ici, on est peut-être sous ce méridien que veut nous montrer l'abbé Boudet. C'est-à-dire que cet alignement qui existe entre le château du Bézu qui est là-haut sur la crête de dessous, cette crête s'appelle le Pêche de la Roque, il y a un tombeau exactement placé dans l'alignement. Ici, nous sommes sur le lieu de la maison gauloise. Et un peu plus loin derrière, il y a un ruisseau qui n'a pas de nom sur aucune carte parce qu'il est tout petit. À sa source, il y a une pierre avec un creux. Et l'abbé Boudet appelle cette pierre la fontaine des Hounts. Donc c'est lui qui donne ce nom. Et il n'y a rien de remarquable à voir. La seule chose qui est remarquable, c'est que ces 4 points sont parfaitement alignés nord-sud. Donc il nous indique un méridien. Et alors, je fais le lien avec la première station de Rennes-le-Château, la station du chemin de croix de Rennes-le-Château, parce que on voit des allusions sur ces 4 points dans cette station,
Et au-dessus, le personnage le plus haut de la station montre le ciel comme ça, avec un doigt. Donc il nous montre le méridien. Il est donc bien question de ce méridien qui passe là, qui n'a pas de nom, qui est un méridien virtuel, bien sûr, mais c'est une allusion à un méridien que nous indique l'abbé Boudet. Et derrière moi, cette incroyable montagne qui ne nous lâche pas des yeux, qui nous surveille en permanence, le Bugarache, dont nous avons déjà dit un mot tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer comme herbe ? Et maintenant, nous allons voir un lieu dont on parle très peu dans cette histoire. C'est une crête qui est hérissée des collines qui ont sans doute inspiré l'abbé Boudet pour parler de son cromlech. Et il y a un tombeau un peu mystérieux, certainement très ancien, que l'on peut situer autour du 7e ou 8e siècle, dont on parle très peu et qui fait partie de l'alignement dont je parlais tout à l'heure avec la maison gauloise et le château du Bézu. Courage, plus qu'une trentaine de mètres et on y est. D'ici, tu aperçois ce que l'abbé Boudet a pris pour des menhirs et qui l'a inspiré pour faire son fameux cromlech. Et voilà, on arrive au sommet de la crête du Pêche de la Roque. C'est un endroit assez extraordinaire, il y a des menhirs partout, enfin des menhirs tels que les conçoit l'abbé Boudet. Et nous allons lentement nous diriger vers le fameux tombeau dont je vous parlais. Donc là, il va falloir monter dessus. Ce sont des 4 ou 5 gros rochers, un peu en forme d'étoile. Et à l'intérieur, il y a un logement qui manifestement a pu contenir un corps. Mais tout cela, il y a fort longtemps. Voilà, je suis monté et je découvre que des pierres sont tombées à l'intérieur. Peut-être l'a-t-on un peu bouché. Je vais descendre et essayer de dégager. Ah non, c'est trop lourd. Trop lourd. Tu vois, on voit le logement, l'intérieur, et on voit ici que la pierre n'est pas pareille. Il y avait une dalle qui fermait à peu près à ce niveau. Dalle qui a disparu ou ceci est peut-être un morceau de cette dalle. Mais enfin, on voit bien qu'ici il y avait 4 pierres levées et ici la position d'un endroit où on pouvait loger un corps, peut-être même assis, puisqu'à cette époque il arrivait qu'on enterre assis. Seulement les côtés sont un peu effondrés. Et cette pierre-là, et peut-être le reste de la dalle qui devait couvrir ici, on en voit à sa hauteur. Sur les côtés, on voit le changement de couleur, ce qui permet de comprendre comment était placée cette dalle. Donc c'est un tombeau que je situerai au-delà du 7e siècle, vraisemblablement. Alors devant ce tombeau, on peut se poser la question, mais qui a pu être enterré là ? Au sommet d'une colline, il fallait que ce soit un personnage important. Alors il y a une hypothèse, bien sûr c'est une hypothèse. Tout à l'heure je parlais du 7e siècle, mais c'est peut-être du 8e ou du 9e.
Et cette hypothèse est soutenue par certains historiens, comme Jean Favier, par exemple, qui est un historien du Moyen-Âge, qui ne voit pas pourquoi Charlemagne, en revenant d'Espagne, serait revenu par Roncevaux. Il pense qu'il est plutôt revenu par la vallée de l'Aude. Et que la fameuse attaque en traître à Roncevaux, des Basques à Roncevaux, aurait pu au contraire avoir lieu dans l'Aude. Et donc, ici, tout près de ce... Au bout de cette colline, il y a un endroit qu'on appelle le Pas de la Roque. Et le Pas de la Roque pourrait être le passage de Roncevaux, en fait. Et pourquoi pas, nous sommes dans les hypothèses, pourquoi pas ne pas penser que ce tombeau aurait pu être celui de Roland. Il y a quelques années, une publicité pour une marque d'essence donnait une carte sur laquelle il y avait à cet endroit marqué « Tombeau de Roland ». On pourrait dire, en voyant ça, que ce ne sont pas ces aiguilles qui ont inspiré l'abbé Boudet pour parler de Cromlech. Nous avons fait ce détour parce qu'il était intéressant de comprendre le problème qui se pose ici. L'historien, quand il lit le livre de l'abbé Boudet, dit « Le Cromlech, c'est impossible ». Et là, quand on y est dedans, que l'on voit ces aiguilles, on se dit « Mais il existe, le Cromlech de l'abbé Boudet ». Ce lieu est quand même très émouvant. Il faut s'imaginer qu'il y a quelques années, tous ces arbres n'étaient pas là. Et donc ces aiguilles, ces menhirs, ces pseudo-menhirs, se voyaient de loin. Et les gens qui étaient ici, on peut supposer qu'ils pensaient être entourés effectivement d'un grand cercle mégalithique. Et leur sensation devait être celle que nous écrit l'abbé Boudet, c'est-à-dire celle d'un cercle de pierre dressé. Alors ici, on a un départ de mine. On peut supposer qu'ils se sont arrêtés de creuser parce qu'ils sont arrivés à une roche dure, il y a à peine 4 mètres de profondeur. Mais par contre,
En revanche, ce que je crois, c'est que au-dessous de toute cette colline, il y a une immense mine. Il y avait une immense mine. On peut voir encore des morceaux, des tronçons de galeries dans lesquels on passerait un chariot entier. Et ces tronçons font une quinzaine de mètres. Ils sont pas très longs. Parce que la consigne était que quand on a fini une mine, on l'effondre de façon que les gens n'y rentrent plus à cause des risques de danger qu'il y peut y avoir. Alors on va aller voir après une autre entrée, cette mine, qui elle est un peu plus longue et qui est un peu plus haut et qui a pu être la bonne entrée. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est cet angle. Cette mine-là fait une quinzaine de mètres de long, elle n'est pas très longue, elle est remplie d'eau, donc c'est pas aisé d'y aller, et au fond on voit que ça a été vraiment effondré volontairement. En revanche, sur la carte de la vieille Boudée, il y a marqué à cet endroit une tête, il y a dessiné une tête. Pendant longtemps on a dit que c'est une tête de diable. Je ne pense pas que ce soit une tête de diable. Je crois que c'est la tête que l'on voit, l'immense tête que l'on voit ici, qui sert de côté droit à cette mine. On voit en haut le front, le nez, la bouche. Si vous voulez, je peux sauter de l'autre côté et vous le montrer de plus près. Le front, les pommettes, le nez, la bouche, le menton. Tout le côté forme une tête. Je pense qu'on avait dû appeler cette mine la mine de la tête. Et c'est pour ça que l'abbé Boudet nous la marque avec une tête sur sa carte. En outre, je suppose que l'ensemble de cette mine correspond à la station 8 du chemin de croix de Rennes-le-Château. Alors voilà la source de la Madeleine. Il y a 100 ans, à l'époque de l'abbé Boudet, elle n'avait pas du tout cet aspect-là. Il y avait bien un banc de pierre comme ça, mais au fond il y avait une grande urne d'où coulait l'eau. Et cette urne a disparu lors des inondations de 1992. Et l'ensemble de ce coin d'ailleurs a été ravagé à ce moment-là. Alors c'est un endroit très important, d'abord parce que c'est la source de la Madeleine. Elle correspond elle aussi à une station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Cette station où on pleure. Et là, je vais vous livrer un petit secret. Je connais le nom dont les prêtres appelaient ce lieu. Ils ne l'appelaient pas Madeleine, source de la Madeleine. Ils l'appelaient d'un mot latin, lacrimas, les larmes. Parce que les larmes de Madeleine, c'est tout un mythe. Et ces larmes, cette source coulait, comme on l'en voit là-bas, couler ce petit tuyau, elle coulait goutte à goutte. Donc il l'a comparé aux larmes de Madeleine. Et dans son livre, l'abbé Boudet, quand il se met à parler de cette source, il fait une longue digression sur Notre-Dame de Marseille, près de Limoux, où il y a une source qui coule goutte à goutte et qui a le pouvoir miraculeux de guérir les yeux. Et donc l'allusion est très claire. En parlant de cette source, il parle de la source lacrimas, la source de la Madeleine, des larmes de Madeleine. Sur le rocher qui est ici, au-dessus, on peut voir le même mot que celui que nous avons vu, le même touriste ou le même personnage que nous avons vu, Rulers, à Malais, qui a signé en la même année, en 1896. Et à côté, il a fait un signe, enfin, on dirait que c'est lui qui a fait ce signe, c'est pas certain. C'est le signe de la vie, le Hank, avec un X, une croix supplémentaire. Et ce signe, on le retrouve aussi sur le siège du fauteuil du diable. Et on le retrouve aussi, d'ailleurs, à la fontaine des amours, qui se trouve de l'autre côté du Cerbayrou, par rapport à l'endroit où nous sommes. Voilà, c'est ici que va s'achever le tour de notre cromlech, mais pas la visite du cromlech en entier, bien sûr, puisqu'il y a bien d'autres choses à voir. L'abbé Boudet nous a laissé encore bien des traces et bien des pierres mystérieuses. Mais c'est à vous, chercheurs, à vous, touristes intéressés, à venir découvrir, à venir ressentir l'âme du cromlech et à venir essayer de comprendre quel est le message exact,
qu'a voulu nous laisser le grand abbé de Rennes-les-Bains. Alors, à bientôt dans le Cromlech.